que l'agriculture corse, et notamment celle de l'intérieur, celle des éleveurs, elle est menacée. Menacée par une décision de Bruxelles, menacée parce qu'il y a un État français qui ne soutient pas ces agriculteurs corses. Donc, à ces gens-là, nous disons qu'on va faire sans eux. On a commencé grâce à la CDC qui prend donc le relais à hauteur de 7000 euros sur une avance de trésorerie. Nous avons demandé une solidarité aux consommateurs pour les fêtes de fin d'année et plus tard, on l'espère, autour des agneaux, des cabris, des veaux, de la charcuterie, tout ce qui est touché, tout ce qui est impacté par les contrôles. La semaine prochaine, ce ne sera pas les mêmes commissaires européens qui n'ont pas reconnu le référentiel photo et tout le projet Corse qu'on avait présenté à Le Foll et qui a fait qu'aujourd'hui, on a changé les règles du jeu très rapidement. Encadré par la CDC, nous allons monter, rencontrer ces commissaires européens et leur expliquer qu'il est nécessaire, essentiel, que l'on puisse avoir une vision sur les parcours peu productifs, sur les parcours pastoraux, une vision plus positive.